l'homme écrit l'histoire depuis qu'il bataille à cœur joie entre mille et une guerres notoires. Si j'étais tenu de faire un choix, confiné dans mes sanitaires, nonobstant l'absence de Lotus, sachez que la guerre que je préfère, c'est celle du coronavirus. Sachez que la guerre que je préfère, c'est celle du coronavirus. Contrairement à la Grande Guerre, j'ai pas dû rejoindre Verdun, mais ma résidence secondaire sur la côte à la Baule-les-Pins, où je passe des journées entières sur le canapé devant Canal+. On peut pas dire que ce soit l'enfer, ma guerre du coronavirus. On peut pas dire que ce soit l'enfer, ma guerre du coronavirus. Que la Seconde Guerre mondiale, pas besoin de prendre le maquis pour être un héros national. Cette fois Jean Moulin reste ici, respecte les gestes barrières, n'éternue plus dans l'autobus. C'est comme ça qu'on gagnera la guerre du coronavirus. C'est comme ça qu'on gagnera la guerre du coronavirus. Stalingrad, Austerlitz, Carthage sont des batailles de deuxième rang. Si on les compare au carnage d'une après-midi à Auchan, au rayon des pâtes, j'ai souffert juste pour un paquet de plus. J'espère avoir la croix de guerre de la guerre du coronavirus. J'espère avoir la croix de guerre de la guerre du coronavirus. La guerre depuis le fond des âges, c'est une affaire de testostérone. On glorifie pour leur courage De Gaulle, Napoléon, Cambronne. Que des caissières, des infirmières puissent enfin bomber le plexus. Ça change un peu des autres guerres, cette guerre du coronavirus. Ça change un peu des autres guerres, cette guerre du coronavirus. Novice dans ce genre d'aventure, après 3 semaines de confinement, j'ai l'impression que tout ça dure plus longtemps que la guerre de 100 ans. Même si comme tout bon militaire, je rends souvent hommage à Bacchus. C'est quand même un peu long cette guerre du coronavirus. C'est quand même un peu long cette guerre du coronavirus.